Nous nous sommes rendus sur le site de Tepori Faïté, où Tahitian Paddle a donné l'occasion à 5 délégations d'Erasmus d'utiliser leur VAA. Hit FM a eu le plaisir d'interviewer plusieurs élèves au sujet de cette expérience. Bonjour, je me présente Tehrita Wakolani. Je suis une élève du lycée Don Bosco en communication visuelle plurimédia. Donc aujourd'hui, tu es avec plusieurs délégations d'Erasmus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, nous avons plusieurs délégations. Alors, nous avons l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Finlande, la Réunion et Tahiti. Alors, aujourd'hui, on va les apprendre à faire du VAA. Tu en as déjà fait toi-même? Oui, à l'école. Oui, on essaie de communiquer en anglais, mais quelques-uns parlent le français. Donc, on s'en sort. Est-ce que toi-même, tu as eu l'occasion de faire des échanges avec Erasmus? Oui, grâce à Erasmus, j'ai pu faire un voyage en mai où je suis partie au Portugal. Rim Harda. Donc, tu viens de quel pays? Je viens de l'Italie. Donc, aujourd'hui, vous allez tester les VAA. Est-ce que tu as déjà ramé? Non, je ne sais même pas ce que c'est. Tu n'as jamais été sur une pirogue alors? Non. Et la mer, est-ce que tu as déjà été à la mer? Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment propre ici. C'est la première fois que tu viens à Tahiti? Oui. Est-ce que tu reviendras? Ah, si j'aurai l'argent, oui. Moi, je m'appelle Majda Benjedi. D'Italie aussi? Oui, je viens de Bologne. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Tahiti? Oui, c'est la première fois pour moi, pour nous deux. Oui, j'ai déjà ramé le vendredi avec ma correspondante, la classe à ma correspondante. C'est un peu difficile parce qu'il est fatigant. C'est fatigant ça.